les anticorps monoclonaux. Les anticorps sont des molécules de la famille des protéines, ils sont en forme de Y. Notre corps en fabrique des milliards de toutes sortes, chaque sorte est associée à une action spéciale. Si un anticorps trouve sa cible, il s'accroche à elle. Dans certains cas, il envoie un signal au système immunitaire pour provoquer sa réaction. La réaction qui peut être un appel à des cellules qui vont intervenir pour détruire l'intrus ainsi reconnu. Aujourd'hui, en laboratoire, nous savons fabriquer des anticorps qui réalisent une seule action bien précise. Cet anticorps, nous savons aussi le multiplier en grande quantité. Ce sont les anticorps monoclonaux, mono pour une action et clone car on les multiplie de façon identique. Les cellules cancéreuses se protègent des cellules T tueuses en freinant ou bloquant leur attaque. Ce sont des mécanismes d'immunosuppression. Elles suppriment la défense du système immunitaire. Voici un exemple de frein. Elles peuvent déclencher le programme PD1 des cellules T. Qu'est-ce que PD1? C'est un programme qui désactive les cellules T. En temps normal, ce programme est un point de contrôle de notre système immunitaire. Il lui permet de stopper les cellules T afin qu'elles ne déclenchent pas des maladies auto-immunes, c'est-à-dire contre nos propres cellules. Pour que les cellules T soient efficaces contre les cellules cancéreuses, il ne faut pas que leur attaque soit bloquée ou freinée par ces dernières. Pour les aider, on peut utiliser deux anticorps monoclonaux. Un qui protège le déclenchement du programme PD1 et un autre qui empêche la cellule cancéreuse d'agir. Il faut supprimer ce frein pour mieux attaquer la tumeur. Les médecins disent qu'il faut lever l'inhibition du système immunitaire face à la tumeur. Les chercheurs ont identifié différents anticorps qui permettent d'activer ou de bloquer plusieurs programmes pour stimuler nos cellules. On doit maintenant trouver comment les utiliser de façon efficace. Elles nécessitent donc beaucoup de recherches supplémentaires et notamment et surtout dans le cas de cancers pédiatriques.